Allez, c'est parti pour le lac du Poncelet. Ouais, le courage, hein, c'est par là en fait. Après, le sentier va monter raide vers la fin. Salut! Ça va, Boutchou? Alors, bébé? Choubidou. Attention, en passant juste là. Eh ben dis donc, qu'est-ce que t'en dis, hein? Maman. Ça devrait être un peu moins dur là. Sont extraordinaires. Ça va les enfants? Eh ben c'est reparti pour le retour. On repart du lac Fourchu ce matin. Et puis bah, tranquillement on va rentrer. Hein. Les cairns à la base étaient faits pour délimiter les zones de pâturage. Comme ça, le berger il savait là où vous pouvez aller et là où vous pouvez pas aller. Et puis quand il y avait un temps de brouillard, et ben ça lui permettait aussi, en délimitant la zone de son alpage et en délimitant, en faisant des bornes pour noter où était son refuge ou sa cabane de berger pour retrouver sa cabane. Puis après, ben, les gens ont mis un peu partout. Pour pouvoir se retrouver en cas de brouillard ou dans des zones où les sentiers sont pas très notés.
Et voilà le lac du Poursolet dans toute sa splendeur. Bon, et ben voilà, c'est là que se termine notre jolie petite balade en famille. On espère que vous aurez aimé notre petit descriptif de cet itinéraire et on vous invite carrément à le refaire avec un bout de chou Carrément. de 4 mois parce que Ah le mais nôtre, carrément. il a Carrément. vraiment bien assuré. Allez, Mais à bientôt! carrément. Au revoir! Au revoir! Ah mais...